Le compte à rebours est lancé avant le couronnement du roi Charles III, très attendu par le peuple britannique, qui s'apprête à célébrer officiellement son nouveau monarque. Dans les colonnes de People, le prince Albert de Monaco a enfin révélé si son épouse Charlène et lui seront présents pour les festivités. Le roi Charles III, qui a pris ses fonctions très rapidement après la mort de sa mère la reine Elisabeth II, s'apprête à vivre l'un des événements les plus importants de sa vie. Le 6 mai prochain, le monarque sera officiellement couronné en l'abbaye de Westminster, dans les mêmes lieux qui avaient accueilli le couronnement de la reine Elisabeth II, en 1953. Au Royaume-Uni s'y est-il effervescence, alors même que la couronne de Saint-Édouard, la plus sacrée de l'histoire de la monarchie britannique, a quitté début décembre la tour de Londres où elle est habituellement exposée, pour subir quelques modifications avant le couronnement. Désireux d'une monarchie plus moderne que celle instaurée par sa mère, le roi Charles III devrait avoir le droit à un couronnement plus court et moins coûteux que celui de la reine Elisabeth II. Le prince Charles voulait depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens méritent l'argent qu'ils ont obtenu du contribuable, avait confié l'experte royale Angela Levin à Talk Radio en 2021, pour expliquer la vision qu'avait Charles pour la monarchie. Depuis que le prince Harry a décidé de vider son sac publiquement dans un documentaire Netflix en 6 épisodes, puis dans ses mémoires sorties récemment, avant de donner de nombreuses interviews aux médias américains et britanniques, la famille royale ne pipe moment et ne pense pas moins. Interrogé par le journaliste britannique Tom Bradby pour ITV sur sa venue au couronnement de son père, le duc de Sussex s'était montré évasif, alors qu'un gros point d'interrogation demeure. Beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. Mais la porte est toujours ouverte. La balle est dans leur camp. Nous avons beaucoup de sujets à aborder et j'espère qu'ils seront enclins à s'asseoir et à discuter, avait-il déclaré. Albert et Charlène de Monaco seront-ils présents? En 1953, pas moins de 8251 personnes avaient été invitées pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Cette décennie plus tard, le roi Charles devrait convier moins de monde, mais Albert et Charlène de Monaco figurent bel et bien sur la précieuse liste du monarque. Dans les colonnes de People, l'héritier du trône monégasque s'est exprimé sur cet événement de la plus haute importance, lui qui s'attend à une cérémonie incroyable et très émouvante. Albert de Monaco, qui a toujours entretenu d'excellents rapports avec le roi Charles III, a expliqué avoir gardé le contact avec lui depuis qu'il est devenu roi mais a affirmé qu'il ne lui avait néanmoins pas parlé personnellement depuis les funérailles de la reine. Et quant à savoir si Charlène et lui feront le déplacement à Londres pour l'occasion, Albert de Monaco a confirmé sa présence avec son épouse, sans leurs deux enfants Jacques et Gabriella, un peu trop petits pour ce type de cérémonie. Vous savez, je ne sais pas à combien de couronnements de monarques anglais je pourrais assister dans ma vie donc je vais en profiter, a-t-il ajouté. Un invité de marque.